content de la victoire, c'est bien, on est dans le bon wagon. On fait un bon match dans la qualité de jeu. On fait une grosse première mi-temps sur tous les 12-13 premières minutes, je crois, où il y a un écart de... Plus 7. Ouais, plus 7, ouais. En pas de but, je crois qu'on prend un but en 10 minutes, il me semble. Donc, ouais, non, très content de victoire. Qu'est-ce qui fait que finalement les filles de Liège ont démarré si fort, elles étaient plus concentrées? On s'est préparé toute la semaine, ouais, c'est vrai que voilà, c'est un objectif à chaque fois, c'est de commencer très fort le match. Et, ouais, c'est notre projet de jeu. Hein. De mes filles parce qu'elles se sont battues contre une très belle équipe de Liège. À la maison, on avait perdu de bien plus, je crois. Donc, je suis très fier. Je suis très fier parce qu'elles n'ont pas baissé la tête. On a des moyens limités en termes de joueuses, donc par rapport à cette équipe de Liège qui est, je trouve, bonne sur tous les postes. Venir perdre de 4 buts, c'est bien, ça va nous faire. Ça va nous motiver pour jouer les équipes de notre niveau de jeu, pour battre les équipes de notre niveau de jeu. Donc je suis plutôt... bien sûr que je ne suis pas content d'avoir perdu, personne n'est content de perdre. Mais par contre, je suis fier d'elles, je vais leur dire toute la semaine. Et je pense que cette défaite va servir. Va servir, parce qu'il faut que ça serve. Donc ça va servir pour les prochains matchs qui vont être décisifs pour le jouer le maintien. Moi personnellement là ça m'a surpris parce que c'est vrai que la première attaque il a joué sans gardienne. Après une réaction des Girondines, on a eu un peu d'échec au tir aussi qui leur permettent de revenir dans le match, on n'a rien lâché et ça c'est important. On s'était dit que c'était le match idéal pour travailler ça. Alors c'est pas pour travailler, c'est aussi pour amener plus de possibilités de tir et plus de possibilités de shoot. On ne s'est pas du tout adapté à la défense étagée qu'ils ont proposée malgré qu'on ait deux pivots. C'est peut-être un bilan mitigé? Oui, c'est... Comme je leur avais dit, on essaie sur ce match-là. On verra bien comment ça se passe, mais je suis persuadé que cette 7 contre 6 avec deux pivots et en sortant la gardienne, je suis persuadé qu'à un moment dans la saison, ça va nous servir à gagner un match, j'en suis sûr. Tout ce qui a été travaillé là, ça sera du bonus pour après. Quelles sont les ambitions maintenant pour cette équipe de Liège qui est dans les premières places? Ouais, rester dans le bon wagon. Alors, on est une équipe jeune, là, le petit début de saison, là, c'était vraiment le maintien. On est dans le bon wagon, après on n'est même pas à la moitié du championnat, donc on prend les matchs les uns après les autres.